Soleil demande si c'est grave pour Anto Marquis. Il demande si c'est grave. Ça va? Faut l'évacuer d'urgence. Ah, Soleil dehors de rouge, il faut l'évacuer d'urgence. Parlez. Soleil s'en occupe. Descendez le prisonnier. Ils disent de descendre le prisonnier. Ça va pas, ils sont fous. Fais-le répéter. Ah, répétez. Répétez pour le prisonnier. Pour le prisonnier, descendez-le. Ils disent Oh, ça y est, il est dans les pommes. Ils disent de descendre le prisonnier. Faut le descendre. Là! Là! C'est vrai. Je suis obligé de dire la vérité, je l'ai entendu. Le capitaine Caron a donné l'ordre. Descendez-le. Concernant la responsabilité du capitaine Caron sur ce point précis, avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur le bâtonnier? Non, c'était pas comme ça. Un instant, monsieur le président. Il ne t'en a jamais parlé dans une lettre. Président, nous aimerions entendre de nouveau M. Mine sur ce point précis, justement. Moi, j'étais en bas, dans l'Oued, avec le groupe de commandement, avec le capitaine Caron. Bravo. Bravo. Demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Marquis blessé, ils ont tué un Fell, capturé un autre et récupéré deux fusils de guerre. C'est grave? C'est grave? Faut l'évacuer d'urgence. Faut l'évacuer d'urgence. La carte. Tu vas leur demander une Evasan hélico. Dans le 47-48. Soleil s'en occupe. PCPC, à ordre noir. Pour le prisonnier, tu leur demandes qui nous l'amène. On va le faire parler. On doit savoir où se trouvent nos trois disparus. Qu'ils nous le descendent. Bon, pour le prisonnier, descendez-le. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont descendu le prisonnier. Quoi? Ils ont descendu le prisonnier. Les imbéciles. On a évacué Anto Marquis par hélicoptère et on a continué.